Le conseil technique est enregistré au club de golf de Victoriaville, hôte de la 9e édition de la Coupe Canada Sanimarc Fenergique, présentée par la ville de Victoriaville. Voici le professionnel Jérôme Blais. Bonjour à tous. On parle souvent de tempo et de rythme au golf. Aujourd'hui, je vais porter votre attention sur un des éléments qui fait toute la différence pour amorcer l'élan sur le bon rythme. Lorsque vous adressez la balle, le premier deux pieds de l'élan arrière, on parle en anglais de « take away », donc l'amorce de l'élan arrière doit se faire vraiment en douceur et j'aime bien porter mon attention sur le premier deux pieds. Si on part de façon trop sec, trop rapide, on va arriver rapidement au sommet et ça va avoir un effet très néfaste sur la transition entre la montée et la descente. Donc, le fait de partir tout en douceur va mettre d'avant le bon rythme qu'on cherche à avoir, ce qui va nous permettre d'arriver au sommet un peu plus en douceur et d'avoir la fameuse pause qui permet au bâton d'avoir une plus belle transition entre la montée et la descente. Donc, je vous invite à porter attention sur ce point. Le premier deux pieds de l'élan, on le fait vraiment au ralenti. Ça va vous aider à avoir un meilleur tempo et ça, sur tous vos coups de golf. Le tout s'applique également pour les coups d'approche et les coups roulés. On veut porter une attention sur l'amorce de l'élan arrière qu'on fait tout en douceur pour avoir un meilleur rythme. Bon golf! Golf Mag revient tout de suite après la pause depuis le club de golf Cap-Rouge.